Il est tôt, nous sommes lundi matin. Je suis arrivée avec Coquelicot chez le carrossier. Et là, je suis en avance exprès pour laisser arriver l'expert. Je vais quand même te montrer le pansement que m'a mis l'autre carrossier. Et il a très très bien fait puisqu'il a plu cette nuit. On ne voit pratiquement pas, c'est du film plastique transparent, c'est excellent quoi. L'avantage du camping-car est que même si on arrive en avance, on a tout notre confort et on peut se faire une petite boisson et attendre tranquillement. Mais voilà de retour au QG. En tout cas, ça se voit que le Graal m'a prêté une voiture. Là, je leur fais vraiment de la pub. En tout cas, c'est vraiment tout petit par rapport à Coquelicot. Bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. J'attends des nouvelles pour savoir combien de temps ça va mettre pour la réparation. J'attends tranquillement leur appel. Il est 16 h. Le carrossier n'a pas donné de nouvelles, donc j'ai appelé. J'ai eu la dame charmante, l'expert est passé, il a fait son diagnostic. Dans combien de temps, dans combien de jours, dans combien de semaines vais-je récupérer Coquelicot? La dame ne sait pas. Le carrossier est à l'atelier en train de regarder Coquelicot, donc je dois attendre qu'il revienne, sachant qu'il finit de travailler à 17 h. Je lui demande de me dire avant la fin de la journée dans combien de temps je pourrai récupérer Coquelicot, tout simplement. Donc je vais continuer d'attendre. Et voilà, il est 19 h, la carrosserie a téléphoné. Il me répare Coquelicot pour jeudi ou au pire pour vendredi. Alors là, c'est la fiesta. C'est dommage que j'ai pas vu l'expert. J'aurais bien voulu lui demander deux, trois bricoles, des conseils, etc. pour la prochaine fois, parce que de toute façon, je sais que ça arrivera une autre fois. Et puis éventuellement pour vous, si ça peut vous aider. C'est dommage, tant pis. Bon ben, qui c'est qui est là? Hey, coucou, comment ça va? Ça va bien? Ça allait bien? Ouais. Ben, je viens de tout juste rentrer de mon week-end et je suis super contente pour Ambre qu'elle va récupérer son coquelicot bientôt. Génial! Allez, bonne soirée! Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne vais pas non me lamenter pendant une semaine. Cette semaine, je vais l'utiliser à chouchouter, dorloter à distance Coquelicot parce que j'ai envie de refaire des rideaux, j'ai envie de faire plein de choses et je lui offrirai tout ça.